Tiens, regarde. Ah oui. Voilà, moi. Ouais, quand tu le coupes et... Non, non, ah, tiens, pas, regardez, viens voir. Viens. Tant qu'on en retrouve un. Mets-toi à côté de moi, juste à côté. Vas-y, et regarde vers le haut. Mais après, faut tes items sur les côtés, je crois. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. C'est un vrai connu. Voilà, c'est ça. J'ai la place de plus. Oui, petit chat. Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Feed the Luck. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode où il faut, nous faut de l'énergie parce que on va essayer de faire comment ça s'appelle, un jetpack, sauf qu'un jetpack il nous faut plein de trucs avant. Du coup on va commencer par merci. Et en premier merci, j'ai fait ces deux trucs avant. Je vais vous montrer comme ça. Alors premier à faire c'est un coke oven. Enfin, je passe le record solo au cas où. Du coup, c'est un coke oven qui permet de transformer le coal qu'on a mis en coal coke et qui permet aussi d'extraire, ça s'appelle du creosote oil bucket. Alors, le coke oven, c'est facile à faire. Il doit être là. Voilà. Il nous faut des coke briques. Les coke briques se fait avec la clé, de la brique et la redstone. Oh, c'est redstone. J'ai fait ensemble, mais bon. Du coup, ça nous donne ça. Et je vais vous en montrer un exemple à quoi il sert aussi ça. On va aussi trouver avec du bois si vous voulez ce que j'arrive. Ouais. Hop 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 hop. On en prend quelques-uns. Du coup on fait un cercle. Et on récupère du treated wood hein, qui va nous servir à beaucoup de craft dans le mode mineur. Voilà, alors on va ranger déjà prévu en avance. Ensuite. En second, le Blast Furnace, celui-là c'est le amélioré, qui permet de transformer le fer en steel, tout simplement. Et ce petit livre qu'on fabrique, enfin avec un livre et un levier, qui, voilà, j'ai fait l'iron, enfin, renforcer le Blast Furnace, ça montre comment ça se construit et tout, donc ça c'était simple. Sinon. De base, il y a toutes les sources, les ressources et tout, le coke oven, le crug blast furnace, celui-là, les déposites, enfin, il y a plein de choses à faire au début. Des constructions à faire, mais il va falloir commencer par de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? Les basiques. En faisant ce genre de trucs. Du coup, on se retrouve quand j'aurai fait les plaques et le couteau. Donc, déjà, je vais vous montrer comment faire les plaques, si je trouve là. J'ai le couteau, facile. Deux treated stick en faisant avec le treated wood qu'on a fait et un iron. Donc ça c'est pas le plus compliqué. Mais les plaques, est-ce qu'ils y sont là? Ils y sont pas. Ça m'arrange pas. Au pire on fait U, voilà, hop, les plaques, trois copper, marteau qui se fait comme ça, string, iron et stick, donc ça c'est plus rapide. Du coup on se retrouve. Quand j'aurai fait le marteau, enfin le ça et les plaques, on se retrouve du coup, j'ai fait les ciseaux. Ah bon, du coup, on va transformer plein de plaques, à 5. Ensuite, on va les couper pour faire des fils. Moi, je s'en donne que un à chaque fois. Du coup, où est-ce que j'en étais dans le livre? On avait fabriqué ces petits fils. Ensuite, oui, ça nous permet de faire des basiques wire, ok. D'accord, ça nous montre comment faire. Ouais, ça c'est facile. Et ça c'est tous les crafts qu'on peut faire avec. Sauf que pour faire certains crafts, c'est-à-dire pour générer de l'énergie, c'est-à-dire le copper oil. Voilà. Ça ce qui... Hop, il est où? Sur quel déjà? Celui-là. Voilà. Parce que
Il va nous falloir faire de l'énergie, sauf que l'énergie de base, les plus faciles à avoir, c'est soit avec l'eau, soit avec le vent. Du coup, avec la kinétique dynamo et un Lucky sauvage est apparu, il nous faut des Copper Coil. Le Copper Coil se fait avec des LV Warrior Coil. Et après. Et oh, il m'en faut plus 4, il en faut 8. Donc ça veut dire qu'il me faudrait 2 autres cartes. Ah j'en ai plus. C'est pas du copper en plus. Pardi, je sais pas comment on peut passer. Où est-ce que j'en ai trouvé? On en prend là, en plus. Hop! Un coup de marteau dessus. On coupe tout ça. Et du coup j'ai dit qu'il c'est comment quand ok un autre s'il vous plaît merci tac 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 ah j'en ai un trop ça fait rien hop on va économiser un peu si on peut voilà du coup un de fer est-ce que un de fer j'ai est-ce que j'en ai posé ou est-ce qu'il va falloir que j'en cherche normalement j'en ai posé je trouve plus où c'est lol. Ah là là j'ai des... Ah bah voilà, hop, oui, ah ça je crois. Du coup, on entoure. Et on met le petit fer, voilà. Copper Coil Bank. Du coup, on va continuer pour la... Et, ah bah, restone et fer, ok. Bon. Non, ça c'est du style. Non, ça c'est... Je me suis trompé, c'est pas le bon. C'est du style, hop. C'est-à-dire de ça, restone. Il est là. 1, 2. Du coup, on a notre kinétique. Il manque un fer. Vous êtes sérieux? Non, je tombe à chaque fois. Dans ça. Hop, la kinétique. Et maintenant, j'hésite entre faire le water wheel en premier ou le wind wheel. Le plus facile, c'est le... Voilà, ça. Style gel. Merde, j'ai pas. Ah bon, bref. C'est ça que les graines que j'ai récupérées, il faut que je les fasse pousser. Du coup, on va faire avec le vent normal. C'est-à-dire du treated wood. Bon, ça c'est du. Merci. Du treated wood, c'est-à-dire nous en faut quelques-uns quand même. Un peu plus, puisqu'il nous en faut 4. Et si je m'en souviens bien, c'est comme ça. Ou. Plutôt. Ah, je me perds dans les crafts, merci. Hop. 6, il m'en faut juste 4. Qui a trouvé quelque chose? Tac tac tac. Du coup 4-4-4 et au milieu c'est du style, c'est ça? Non, du fer. Tu veux un super big coffre. C'est-à-dire. C'est le stockage que j'ai, ce n'est pas trop besoin. Voilà, hop. Ça c'est notre première ressource d'énergie. Je vais vous montrer comment ça marche et je pense que je ferai des petits bâtiments pour faire fonctionner ça et j'essaierai de l'upgrade dans ça. Coffre en diams plus 3 en un seul. Bon mais ça c'est normal, c'est le mode Iron Chest qu'il fait. Bon bref, du coup, juste pour le fun, il faut que je trouve un endroit assez grand. Et assez haut. Allez, on va le mettre là. Alors pour l'instant je pourrais pas stocker l'énergie parce qu'il faut beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer au moins la petite animation que ça fait. En attendant la suite de l'épisode et l'avancement, hop, comme ça. Il faut ça absolument que ça mette la cette forme là, parce que les autres c'est une... juste basique. Le trou doit être avec l'éolienne. En mettant ça, et normalement ça va tourner. Normalement. Non. Si oui, il faut souffler. Oui, non. Ah. Ah bah voilà. Ben voilà, ça tourne. Et voilà, et normalement, avant c'était considéré que plus t'es haut, plus ça tournait vite. Sauf que là, c'est que ça a été changé, donc quelle que soit la hauteur, on peut le mettre. Donc du coup, je vais faire un petit village, et qu'est-ce que c'est ça? Waouh, ok. Ok. C'est... 3 pages. Ah oui, d'accord. Ok. Je pense que je vais m'en faire un aussi. Attends, je vais juste voir un truc. Si on fait ça et ensuite on casse.
Et là, ce serait toujours les items dedans. Non. Ok. Non, je pensais. Alors, du coup, on se retrouvera ben, quand j'aurai fait la suite pour préparer. Du coup, on va ranger ça un peu. Alors, je sais que ça s'arrête quand tu fais quoi. Hop, ici. Et là. Ouais. Éviter le spawn, on sait jamais. Voilà. On essaiera de tuer lui quand même pas. J'y suis déjà. On va voir chez lui. Tu es déjà. Ouais. Par contre, comme je t'ai dit, j'ai fait que les roues. Hein. J'ai pas aménagé le truc pour l'instant. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, tu rigoles pas. Hein. Pour trouver un design, par contre, j'en ai chier. Après, il y a encore là-haut. Ah, là, c'est une vraie cascade. De quoi? Non, de rien, de rien. Ah non, 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 fallait pas. Pourquoi? Parce que je comptais faire un truc ici. Ah bah, attends. C'est pour ça que je vais couper le courant puis laisser. Attends. Ah! Bon, moi, attends, ça me laisse. Je te coupe. Ouais, tu peux voir comment ça tombe, c'est ça. Oula, ouais, bah, va bien falloir que tu creuses bien pour faire bien descendre la cascade. Hein. Non, mais je comptais faire une extension, tu sais, genre ici, puis. Ouais, la faire séparer en deux et se réunir à la fin. Non, genre, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais... Genre, en gros, t'as une sorte de poutre là qui vient en biais, qui est avec du bois, puis ça fait une sorte de cône, machin. Ah, ouais, d'accord, non, tu ouais, comprends ouais, pourquoi ça se coupe en deux. Tu as une grotte juste là. Ouais. Ah. Je suis un saumon, je remonte tes cascades. Magikarp, fais-le. Fais-le, tu deviendras un Léviator. Dixit, le mec a un casque, on dirait un Léviator. Ouais, mais c'est le truc de Sly, là, le Manastri. Hop. Je l'ai chopé dans un donjon, j'en ai fait un casque. Hop, t'as bien fait, hein. Voilà, il n'y a plus de cascade. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le truc derrière, là. Là ah fait... oui. Depuis quand tu fais en déco? Depuis que je me suis donné à fond hier. Par contre, ça a l'air pas d'accélérer très vite. Bon, je sais pas. Ouais, parce qu'en bas, en fait, le... Tu vois le courant en bas, je peux pas faire. Non, après, ça continue pas là-bas. Du coup, je suis obligé de compter que sur la cascade. Bon, après, c'est juste déco. Ouais, mais au moins ça fait une source d'énergie de secours. Il y a un petit problème. Parce qu'après, tu sais, en fait, tu sais, dans le mur là, je fais une petite salle avec un petit couloir et tout pour accéder au câble. Puis après, tout au haut là-bas, je ferai une salle des machines où il y aura un stockage d'énergie. Donc ça, si jamais il y a un problème avec les ressources, il y a ici qui générera toujours de l'énergie. De toute façon, je crois que tu peux faire les basiques capacitors dans le radio maintenant. Basiques capacitors. Le tank là? Oui. Ah mais j'en ai déjà un. Ah bah du coup tu peux faire ça maintenant. Ah t'inquiète. Et là-bas c'est pareil. Ouais, là-bas c'est pareil. Par contre, rien... Ah d'accord, oui, c'est pas fait. Après c'est le... C'est la source d'eau que je te parlais. Là. Ouh. Ah ouais, je suis obligé d'enlever ça moi. Ouais, pour synchroniser les trucs on a galéré, du coup on a fait comme ça. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est bien, hein. Quoi? Ah non, c'est bien. Ouais, puis après, ici, j'ai mis ça, tu sais, pour... C'est stylé. Faire stylé. Faut faire... Ouais, on tombe pas! Ah. Non, mais comme une sorte de pouce. Enfin, parcelle, je sais pas. Enfin, ouais, c'est pas. Bon, après, ouais. Ici, on peut pas accéder, du coup, j'ai mis juste les choses sur la boîte. Et là t'as la source de jeu, on a tout vrai que tu vois, qui générait au cours. Ouais, ça a l'air. Ouais, bon par contre là t'aurais pu faire un petit truc. Ouais, mais pour ça, en plus je suis pas trop...
pas trop expert dans le domaine, je t'avais pas vu. Ah, t'as un petit trou. T'as genre que ça mène quelque part. Ah, t'as qu'une source d'eau ici. Ah, si. Ah, tu creuses comme ça. Et ça te fait deux fausses sources. Genre, hein, ça mène quelque part. Comme ça là-bas. Ok. Alors hop, un peu d'eau. Ou là-bas, ah, je comptais faire en végétation ici. Il va falloir que tu creuses bien alors. Ouais, mais voilà. Mettons Game of Thrones. Ah, d'accord, tu as une grotte à côté, c'est ça? Bah, en fait, je peux juste gratter sur le côté gauche en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je te disais, je suis limite. Ah merde! Ah merde! Ouais. Ça coule? Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est l'autre. Y a un problème, c'est ça? Non, je veux juste voir un truc. Et voilà, on se retrouve après les crafts. J'ai fait ce petit truc. Bon, c'est moche pour l'instant. Oula, là. C'est moche pour l'instant, mais en attendant. Oh putain, c'est beau, ça va être mieux. En attendant, c'est. Pour vous montrer comment ça marche, je ferai un truc beau. Du coup, il nous faut une Kinetic Dynamo pour faire fonctionner avec les éoliennes, quoi qu'il arrive. Oh, j'en ai fait deux déjà. Ah oui, pour les plus tard. Je me dis pas que je me suis trompé. Non, c'est bon. Ça c'était pour m'aider. Du coup. Je vais vous montrer avec l'eau et l'air. L'eau, ça sera... Je pense que j'en mettrai une ici. Enfin, je vais vous montrer d'abord. Qu'est-ce qu'il me faut? Je crois qu'il me faut du fer. Le fer. Et du steel. Où est les zombies? Le steel. Il est là. Ah, le steel. Du coup, si j'en souviens bien, il faut ça. Hop, et on l'a. Pour... Bon, du coup, on va vous montrer un par un. Du coup, je pense que je vais commencer par l'eau, puisque pendant qu'on y est, hop, c'est-à-dire qu'il faut. Je vais le faire dehors. Voilà, on va le faire ici. Du coup, je vais faire juste une petite structure. Puisqu'elle est toute seule à faire ça. Suite montée de... Ah non, c'est pas peur. Je déteste quand c'est pas peur. Voilà, on va monter de 3. Hop, j'en fais ça. Comme ça, ensuite. Et on met la water hill. Est-ce que ça c'est grand? C'est même trop grand. Du coup, on va descendre bien. Merci. Oui, le colbo. Hop. Oui, je galère, je sais. Hop. Ça. On coupe ça. Et on fait. Voilà, ça c'est la water wheel qui vous permet de créer de l'énergie avec de l'eau. Et j'ai encore un assez grand. Hop. Non, c'est pas ça que je devais avoir. Allez, merci. J'ai perdu ma roche ou quoi? Ah non, d'accord. Merci le bug. Du coup, pour faire fonctionner ça, c'est très simple. Il faut mettre de l'eau. Pas compliqué. Il faut le mettre vers... je crois que c'était là. Ouais, bon. Ça va pour rien pour le reste. Du coup, ça vaut génial. Il faut absolument que vous ayez le retour d'une source comme ça. Sinon, ça ne tournera pas à fond. Et voilà, bah, ça c'est... Elle fonctionne comme ça, donc ça c'est facile à faire, elle génère je crois... Au maximum on peut mettre 4 de suite, en mettant 2 kinétiques de chaque côté, on peut créer jusqu'à 60 RF par type. Pour un début, c'est rien, mais c'est beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer maintenant, hop, on arrête les dégâts. Je vais vous montrer le pour l'air, donc je récupère ça. Merci pour les eaux.
getting nearer. Heart is pumping, thoughts are running wild. Alors, pour l'air, c'est très simple. Là, je l'ai fait comme ça, c'est en attendant de pouvoir un peu l'arranger, parce que le toit, j'ai... il manque quelques... comment dire... décorations et... Donc, on met ça, ensuite, on met le Kinetic Dynamo, et bien sûr, on met le... ça, voilà. Ça fait une éolienne à l'ancienne, enfin, un genre un moulin, et du coup, normalement, voilà, ça tourne. Et ça, ça génère, je crois, 70 RF par tick, si j'ai bien lu. Ensuite, le problème maintenant, ça sera de connecter pour avoir de l'énergie. Ça, c'est pas le plus simple, mais j'ai. Bon, bah, ça fait rien. Ah bon, okay. Et j'ai posé ce qu'il faut. Voilà. Hop. Il nous faut ces LV voyeurs, quoi qu'il arrive. Du coup, on va poser. J'ai posé ça là et ça là. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra. Connecter tous ces wireless. Jusqu'à les mettre, jusqu'à ben ça, le LV capacitant, du coup je vais le mettre juste là en bas. Par contre, Ellipse, le que j'avais crafté d'autres LV wire et le câble. Et on se retrouve ici, du coup j'ai craft l'LV wire, bon je vais vous montrer comment on les craft, comment on fait. Il nous faut des fils de copper et des sticks. Fils de copper, il faut une copper plate avec des stylos, ouais, et ça se fait que copper et marteau, c'est pas bien compliqué. Le LV voyeur, bon, je vais vous montrer, c'est le dernier clé du copper, c'est pas le plus compliqué, comme le LV capacitor, si je le retrouve ici, le voilà, hop. C'est la trité de wood, ça c'est facile à faire, redstone, lead, copper et iron. Du coup, maintenant, on va les relier, le LV voyeur, si ça marche bien, ici et là, ok. Ensuite, celui-là, comment ça, ça marche pas? T'as le LV wire relais pour les relier et les connecteurs. Je me disais. Ah putain, comment on les fait? Mais il a dit les relais. C'est quoi, c'est les gros? Non, ça, je suis. Relais. Ouais! Et relais. Désolé. On se retrouve. Du coup, j'ai fabriqué le LV wire comme il m'a dit. Qui. Hop. Ça se fabrique. Ah ouais, bah ça c'est moins cher en fait. Ça a été beaucoup moins cher. Sauf que. Ah, j'ai passé à Lucky parce qu'il en avait besoin. Alors, du coup, on va changer ça. Non, est-ce qu'on s'est fait ? Merci. Voilà. J'espère que vous voyez bien sur YouTube. Est-ce que la VLV... Est-ce que j'ai... Oui, ça. Du coup, si j'ai bien compris, il faut faire ça, ça et ça. YOLO. Jusqu'ici. Voilà, du coup, normalement, c'est... Voilà, c'est ça, ça génère de l'énergie. C'est... Je vous ai dit, c'est 70 RF par tick. Ça monte vite, sauf que dans Immersive, il y a beaucoup plus pour générer de l'énergie. Et encore, là, c'est du LV Voyeur. Quand il faudra monter dans du très, très... très haut, c'est-à-dire pour gens, pour des, il y a des fabriques, il y a des, comment ça s'appelle, un moteur biodiesel, ça s'appelle, comme, bon, comme dit son nom, c'est, il faut du diesel, et pour avoir le diesel, il faut, si je m'en souviens bien, de l'éthanol, et de le plant slow, qu'on fait avec un fermenteur, qu'on met dans un, je sais plus, c'est chez Lucky qui l'a fait, qui permet d'avoir du biomasse, qui permet de générer de l'énergie, donc, et ça génère genre 100 000 RF en même pas quelques secondes. Je vous dis pas que ça remplit en... ça deviendra très juste. D'ailleurs là, je... Ouh là là, 6 heures. Ouh là là, moi ça c'est facile, ça pareil. Ok. Ça va être compliqué. Ça, je vous dis pas qu'on va galérer, parce qu'il me faut un power head, donc... je pense que ça sera le thème du prochain épisode. Et aussi, pour vous dire, on a réglé le problème de la bouffe. C'est-à-dire, maintenant, on est obligé d'en avoir 3 différentes, et c'est mieux que 16. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait dans la petite barre. Au début, je voulais faire des trucs en cercle, genre futuriste. Mais Lucky m'a dit, pourquoi tu gardes pas plutôt la nature? J'ai dit, pourquoi pas? Du coup, ce que j'ai fait ça. Voilà, ça j'ai pas tout fini parce que c'est plus long, faut que je design un peu plus. Et on sent que Lucky est venu squatter
pour les cannes à sucre, parce qu'il en a besoin pour son usine. Du coup, il dira un petit coucou. Normalement, vous le verrez si je me trompe pas. Des fois, je vois les enregistrements quand on fait un truc multi. Et des fois, c'est what the fuck. Donc, du coup, je vois. Normalement, ça sera mis juste avant ça ou au début de l'épisode. Je sais pas comment j'aurais fait. Du coup, prochain épisode, j'espère pouvoir vous montrer quasiment toutes les machines. Du crusher jusqu'au. Comment il s'appelle ? L'Arfurnace. Et j'essaie de moi vous montrer la structure du biodiesel, même s'il ne fonctionnera pas, moins la structure. Du coup, on se retrouve au prochain épisode. J'espère vous le faire dans une semaine ou une semaine et demie si c'est pas super long, mais normalement avec l'aide de Lucky qui nous squatte mes ressources. Ça sera fait, la base sera un peu mieux. Et j'arrangerai le boulin, je vous le promets, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, on se retrouve au prochain épisode et portez-vous bien.